Bonjour, bienvenue sur le tournoi de Grenoble. Alors, les parties sont déjà super avancées, je vois. Je crois que c'est parce que c'est en temps Fischer. Je crois qu'ils ont 45 minutes et 20 secondes de temps Fischer, mais ils blitzent comme si c'était déjà un billet mis de 20 secondes. Donc ça me fait un petit peu peur. Alors, on va regarder aujourd'hui les parties de Manuel et Dominique. Et Denis est au roux. On commence par celle de Dominique. Alors, ils sont déjà bien avancés. Au début, il n'y avait pas grand-chose à dire, je pense. Blanc s'approche, noir ignore et s'approche du Komoku. C'est assez classique, mais non, on n'a plus vraiment peur de la double pince ici, hein, parce qu'on peut attacher soit sur E16, soit sur Q14 et s'en sortir facilement. C'est plus important de prendre C5. Si noir répond, par exemple là, blanc peut facilement prendre le Shimari et c'est blanc qui est plus rapide au terme de développement sur le Fuseki. Donc c'est ce que ici, noir veut éviter. Si vous avez des questions pendant la partie ou si je vais trop vite, n'hésitez pas, hein. Souvent je vais trop vite. Ok, D9, c'est intéressant. D'habitude on joue plutôt C8 pour s'installer facilement sur le bord, extension 3, et plus tard on vise de venir jouer en H3. D9 est un peu plus rapide. En fait, ça laisse l'occasion à blanc de venir ici, mais noir peut Tenouki si blanc vient là, parce que plus tard il pourrait s'installer dans le coin avec cette séquence. Enfin, c'est un peu l'idée de cette extension, toujours d'aller plus vite. Et blanc prend le gros coup en M3. Peut-être que ici, noir aurait même pu approcher tout de suite. En H3. Parce que ça marche bien avec le Shimari en bas à droite. Et si on joue la séquence classique pour blanc, comme ça, noir est pas si mal. Je crois qu'il s'étend ici. Si bien on vient là, maintenant noir peut couvrir. Ça devrait être jouable. Dans la partie, noir s'étend et blanc approche. Donc je suppose que noir va à Tenouki. Ok, R14. Là, c'est un des jeux qui les plus joués, hein. Double année, Atari connexion. Je ne sais jamais quand il faut San San ou jouer O17 pour s'approcher. Non, il n'y a pas de règle. En général, les deux sont bons, surtout au Fuseki aujourd'hui. L'idée, c'est que si on vient directement San San, noir pourrait choisir ce joseki comme ça, qui est à peu près, je veux dire, one way. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour blanc que de prendre la pierre ici, 6 en ponuki. Et donc, noir nous drive un peu où il veut. Si par exemple, il y avait déjà d'autres pierres installées, on va dire comme ça, ici, ici. Je sais pas vraiment, mais noir peut choisir la direction. C'est la différence. Du Sansan, il peut faire ça. Avec O17, tu choisis la direction. Les deux sont bons. En général, il n'y a pas de grosse différence. Donc, noir a connecté. Et donc là, en fait, c'est le mi-ai entre R16 et P18. Mais quand c'est aussi ouvert, en général, on choisit P18. Si blanc prend le coin, comme ça. Donc, noir sacrifie trois pierres. Ça laisse le Sente et. Le Fuseki de noir est assez dynamique comme ça. Donc, en général, on prend le bord quand c'est aussi ouvert. Noir descend. Ah non, noir pousse et prend le Sente. C'est possible. C'est possible aussi de descendre. Blanc vient là et puis de jouer ailleurs. En général, on pose même très rapidement cette question-là. Cette question à N18 pour savoir si blanc connecte. Ou bien s'il saute pour jouer le joseki compliqué. Les deux sont possibles. Donc dans la partie, noir pousse qui est possible et joue ailleurs. Ok, C14. Je suis pas fan du toucher sauter. Ah, l'idée c'est peut-être que maintenant la distance entre ces pierres est trop grande. Donc blanc pourra toujours venir entre et si noir ajoute un coup, il est surconcentré s'il revient ici. Tandis que s'il joue ailleurs, blanc pourra toujours entrer.
À mon avis, c'est l'idée du kick and jump ici. C'est pas mal. C'est vrai que maintenant, les pierres risquent d'être surconcentrées. Donc, noir devrait rajouter un autre coup. Je sais pas trop comment. Peut-être sauter quelque chose en grand pour construire son moyau. Mais c'est pas si évident parce que blanc peut toujours entrer avec B12. Kick and jump était assez malin. Ok, puis noir joue ailleurs parce qu'il sait pas trop comment réparer. Hein. S'il rajoute un coup, c'est surconcentré vraiment. À ce stade, on va plutôt jouer sur les coins que sur les bords. Attach, pourquoi pas. Donc dans la partie, noir a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le coup en O3, c'est ce qu'il veut, parce que maintenant ça lui donne le coin. Hein. Avec cette formation, il est très bien. Donc c'est pas mal comme position pour noir. Blanc ici, il aurait peut-être pu jouer plus activement. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ici pour entrer dans le coin? Est-ce que quelqu'un a une idée? Plutôt que de faire cet échange N3-O3. Qu'est-ce que blanc pourrait faire pour aller plus loin? Il y a des points vitaux assez connus sur cette forme. Alors, N2, c'est possible. Ouais. Du coup, noir répond et blanc peut monter, par exemple, ici. N2, c'est une bonne alternative, ouais. C'est assez gentil. Alors l'autre possibilité, c'est de faire O3, tout simplement, pour aller un coup plus loin. Comme ça, quand noir connecte, il a une ligne de moins. Donc c'est possible. Très bien. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Yes, Q3, j'aime bien. Q3, ça veut dire que si noir protège, blanc, il peut jouer ici et relier ses pierres de manière efficace. Donc c'est pas mal du tout. Noir peut wedge et blanc revient en N2. Mais là, on voit que blanc a une bonne forme et est entré beaucoup plus loin. Donc Q3, c'est intéressant. Et si noir ignore, blanc peut s'installer. À mon avis, il peut même venir ici. Je sais pas si c'est possible. Q3 juste, c'est peut-être un peu lent. Ça devrait aller. Q3 ou Q4, ça crée des problèmes chez noir. Ouais, là, s'il descend, blanc peut faire année, comme ça. Est-ce que le double année est possible ici? Non, je pense pas. Quoique, s'il sacrifie, comme ça. Ce serait une manière intéressante de s'installer sur le bord droit, donc pourquoi pas. En tout cas, je trouve Q3 assez intéressant ici. Ça permet de vraiment contester le coin, qui est plus important que le bord, comme on sait. Alors ça peut faire un groupe faible, bien sûr, mais surtout c'est une pierre difficile à attraper. Et qui va rôder dans le coin noir, donc détruire ce qu'il faut. Blanc peut faire Q6. Ah non, Q6 ça me paraît un peu too much. Parce que noir coupe simplement. Si noir répond, j'ai du mal à voir vos séquences. Mais si noir répond et après coupe en L3. Ah bah il prend la pierre en M3 et on s'en fout. Alors comme ça, tu reviens, il prend ça, ok. Donc j'ai échangé ton coin contre le bord, ça me va. Je pense que c'est ok pour noir aussi, bien sûr, qu'il obtient de la force. Ah mais il faut une séquence, je comprends pas sinon. Il répond en N3? Noir en... Ah, comme ça. Attach et coupe. Dans ce cas, tu connectes. Il peut prendre la pierre, c'est l'idée, hein. Ouais. Et blanc prend le coin. Je suis assez ok avec cet échange pour blanc. Honnêtement, c'est un trop gros coin. C'est pas vraiment possible pour comme stratégie pour noir, ça. Alors, il peut prendre la pierre, mais blanc a encore le temps de revenir protéger, donc c'est suffisant. Après, c'est vrai que ça suit la stratégie globale de noir. Why not? Mais je serai plus sérieux, plus serein avec blanc. Ok. Donc tout ça, c'était pour montrer qu'il y avait d'autres possibilités que juste avancer en N3 qui a l'air d'être le coup normal. Bon, qui est pas mauvais, hein, parce que
Ça laisse encore de la J en R3, mais je pense qu'il y avait d'autres moyens comme Q3 qui est intéressant. Alors dans la partie, noir bloque, blanc Tenouki, R9, il a peur du moyau, très bien. Et donc noir pince, ouais. La pince. Pourquoi pas, ça crée du combat. Ah, mais c'est. Je dis pas que c'est mauvais pour noir, hein. Attends, j'étais où dans quelle variation? Je dis juste que blanc se fait des coins facilement et noir a pas du potentiel, mais. Est-ce qu'il avait vraiment envie d'aller sur le bord en bas? Je suis pas sûr. Le bord a pas tellement de valeur. Il fait de l'influence, c'est vrai, mais en termes de points, il est en retard ici. Alors, ok, noir pince, donc blanc monte. L'idée, c'est d'avoir cette forme. Je crois que c'est ce que Inseong appelle l'attaque de l'œil d'éléphant. Donc, ça veut dire qu'on force l'adversaire à jouer dans l'œil d'éléphant pour faire un angle vide. Si jamais blanc monte, comme ça, noir pourrait être tenté de couper. Et puis blanc doit protéger. Mais ici, est-ce que c'est pas possible avec la pierre en F4 de se battre comme ça? C'est hyper compliqué ce genre de combat, j'aime pas trop moi. En blanc faire Atari, année. Ouais, ça a l'air Tandax quand même. Parce que là, noir protège de toute façon et blanc est quand même enfermé, donc pas vraiment de choix, non. C'est pas possible pour blanc. Donc il est obligé de faire l'angle vide. Pas terrible. Ok. Et là, noir joue K2. Super. Donc ce coup, l'idée, c'est si blanc joue là, noir obtient K3 gratuit. Et si blanc joue K3, noir protège. Et même si blanc l'enferme, noir peut avoir sa base de vie. Comme ça. C'est à peu près l'idée du truc. Mais est-ce que cette séquence est vraiment mal pour blanc? Parce qu'il peut toujours couper là, après. En plus, il y a ce pip qui est intéressant. Est-ce que noir peut sortir? Toujours le pip. Et maintenant, la coupe marche. Est-ce que c'est pas possible de jouer K3 ici pour rester? Parce que dans la partie, blanc connecte et c'est un bon échange pour noir. En général, je sais que l'IA, elle préfère faire ça direct, comme ça c'est sûr, et après sortir d'une manière ou d'une autre. Mais K2, c'était peut-être possible de prendre le SNT pour enfermer noir. Ouais, même si noir essaie de vivre en dessous. Et là, ça sort pas parce que blanc peut clamp. Même le pip avant peut être désagréable. Et noir peut pas laisser les deux pierres, sinon en fait il a rien accompli. Surtout que maintenant, avec l'échange 4 pour 5, blanc il a la coupe ouverte en N4. Ouais, ça me paraît solide ça. Si noir attache, blanc couvre. Noir descend. Blanc connecte, noir sort. Blanc peut avoir ça, SNT. Et puis coupe tout de suite. La coupe fait super mal. Dans la partie, blanc va la jouer, mais il sera beaucoup moins fort avec son groupe, donc c'était envisageable. Connecter, c'est un peu lent. Ça fait juste un dinosaure faible au centre, quoi. Et blanc coupe tout de suite. Ouais. Bon, c'est un style particulier, hein. Couper quand on est en danger, ça veut dire prendre le risque de créer un autre groupe faible, et noir l'a bien géré dans la partie, je pense. Atari pour l'alourdir et puis recule. Donc maintenant, si blanc sort comme ça, plutôt ici, quelque chose comme ça, noir pourra capturer les deux pierres qui sont alourdies, donc pourquoi pas. Après, est-ce que noir avait le choix? Est-ce qu'il devait faire forcément Atari? Il peut pas venir ici. Parce que blanc monte, ça l'aide quand même. Comme c'est un crosscut cette forme, hein. En général, la théorie dit qu'il ne faut pas faire Atari. Ok, bon, l'idée est ok. Et blanc pousse, mais
ça se trompe un peu de direction, quoi. Parce que maintenant, ces pierres-là sont très affaiblies. Donc blanc doit les sortir et ça va être chaud. Peut-être qu'avant de couper, il fallait juste tourner. Donc la coupe, elle sera toujours là, donc noir devra la défendre un jour ou l'autre. Juste pousser, pousser, et puis sortir. Même on peut attaquer le groupe noir en bas. Donc, ici, il n'aura pas le temps, il doit sortir. Et maintenant, ça peut devenir intéressant, avec juste comme ça. Y a toujours la coupe, hein. Ouais, sans doute qu'ici, il fallait partir de son groupe faible plutôt que de couper violemment. Bon, pourquoi pas, mais moi, j'aurais sans doute juste joué K6. En plus, c'est mon coup préféré. Alors, dans la partie, donc il y a le combat, blablabla, et noir protège, et puis blanc doit sauver ces pierres-là. Ah, mais non, on joue K6. Mais c'est trop tard. Waouh. C'est possible, ça. Ah, est-ce que la forme, c'est pas plutôt sortir ici? Mais noir a le droit de faire ça? Et blanc avait peur d'avoir cette forme bizarre, ouais, probablement. C'est pour ça que blanc l'évite. Ici, si noir répond, blanc obtient plutôt une gueule de tigre, donc il a une meilleure forme. Alors H6, si noir coupe, la différence c'est que ici, blanc il peut faire Atari et. Est-ce qu'il peut pas juste prendre la pierre comme ça? C'est vrai que c'est embêtant de prendre la pierre parce que noir peut traverser. J'avais pensé à connecter, mais toutes les pierres meurent. Hein. Même ici, il n'y a pas de fichot, donc on peut rien faire. Juste quiz. Et noir tue en bas, j'ai l'impression. Ouais, c'est noir qui tue. Ok, donc ouais, il y a même la coupe avec ça. Belle remarque. Donc c'est trop bon pour noir. Donc en fait, c'est nouveau l'attaque en œil d'éléphant tout à l'heure. Hein. On crée un œil d'éléphant, on invite blanc à rentrer dedans avec le ce coup-ci. Mais même là, c'est chaud pour blanc. Mais peut-être que c'était le seul coup finalement à jouer. Ah. C'est vraiment une décision difficile pour Blanc. Une fois qu'il a créé son groupe à droite, il devait d'abord s'occuper de ses pierres faibles. Ça, c'est vraiment un fondamental Hugo. Faut régler un problème à la fois. Et puis c'est bien, ça s'applique aussi dans la vie, je pense. Donc on règle le problème du groupe faible et puis on s'occupe du reste. Mais couper tout de suite, c'était too much. Ok, donc noir coupe. Blanc coupe et noir résiste. Et donc a priori, ça devrait pas vivre ces pierres-là. Hein. Je vois pas comment blanc peut s'en sortir ici. Et blanc avait pas de moyen de faire autrement. Il n'y a pas de petit essouji caché ici. J'en vois pas. Non, il n'y avait que Atari coupe. Dans la partie, blanc s'est débattu, je suppose. Ouais. C'est un peu bizarre, G1, normalement tu peux juste venir tuer tout de suite. Même faire Atari d'abord? Non, il faut venir tuer. Ouais, Atari comme ça, enfin reculer comme ça. Blanc protège. Atari c'est possible, mais je pense que. Ah, comme ça peut-être? Ça donne un genre de séquis bizarre, ok. Donc noir avait pas envie de cette séquence, il veut gagner des libertés. Comme ça, si blanc recule, mais non, ça marche. Ouais, là blanc est mort. Il peut juste protéger. Si blanc doit couper, et puis Atari, on tue. Donc ouais, blanc est mort ici. Donc c'est l'idée de G1. C'est censé être senté aussi sur les trois pierres, hein, donc
Bonne idée. Là, c'est une question intéressante. Au lieu de répondre tout de suite et de jouer ensuite G7, blanc joue H7. Parce que si noir joue là, comment ça peut se passer? Il me semble que blanc peut clamp. Ouais, c'est ça, il peut venir là. Et donc il peut tuer. Donc noir est obligé de sortir en angle vide. Bien vu. Et ça ne marchera pas. Il y a trop de coupes. Tac, 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 ça marche pas. Alors, P3. P3, ça marche pas vraiment. Noir doit juste connecter. Et là, il se passe rien. Non, je vois pas de suite pour blanc. Mais c'est vrai que ça devrait jouer autour du coin. C'est pas possible de résister comme ça. On en fait double Atari. Après, ça coûte cher au-dessus déjà. Attach. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vide ici. Hein. Me semble un peu douteux. Non, il n'y a pas grand-chose. C'est fichu, comme qui dirait. Ok. On protège et noir tue. Donc là, blanc a perdu toutes ses pierres, j'ai envie de dire c'est game over, mais c'est Dominique. Donc, elle pourrait revenir. Ouais, l'erreur, c'était vraiment de ne pas se focaliser sur le groupe faible plutôt. Le noir a très bien joué, il a attendu le dernier moment pour attaquer. Et en fait, quand il obtient l'angle vide, enfin la gueule de tigre ici, c'est déjà suffisant pour attaquer ses pierres. C'est une bonne forme. Donc, très bien joué. C'est Dominique qui essaie. De Manuel, voilà. Manuel Frangy. Là, il aurait juste fallu, à mon avis, tourner comme ça. Parce que Noir aussi est sous attaque, donc en fait, se renforcer ce groupe, c'est aussi diminuer, affaiblir celui-là, donc très important. Après, la partie devient vraiment, vraiment compliquée. Et si Blanc meurt, ça fait beaucoup de points. Surtout que c'est les pierres de coupe, hein, donc c'est-à-dire que tous les groupes noirs n'ont plus de problème pour la suite. Ok, Blanc sort, mais ça ne fonctionne pas. Et encore la coupe en G7. Alors je me demande ce qui se passe après. Noir peut couper gratuitement, non? Bon, Noir décide de jouer calme. Hein. C'est un peu la force de Manuel quand il est en retard, quand il est en avance, il sait gagner des parties gagnées, non? Ah. Peut-être que couper ici, ça aurait été intéressant quand même. Poser la question au moins. Parce que si Blanc répond, là, ça devient vraiment dur. Et s'il sacrifie, Noir est content de capturer les deux pierres, il a dû n'avoir plus de problème. Ok. Ça fonctionne ça? Non. Un œil compte pas d'œil, c'est Blanc qui meurt. Hein. Et Blanc connecte. Ce qui est un bon coup parce qu'il restait plus qu'une seule faiblesse. Donc là, la stratégie, à mon avis, de Blanc, ça va juste être de attendre et voir. Qu'on est aussi en retard dans une partie, l'important c'est de ne pas paniquer, en tout cas si on veut essayer d'avoir une chance de gagner cette partie, et de juste attendre une erreur de son adversaire. Parce qu'on peut en faire une partie très longue. Et il peut se passer des miracles, hein. C'est le go, il y a encore, on est au coup 88, une partie ça dure en moyenne 250, donc on n'est même pas à la moitié si ça devient une partie longue. Après le jeu ce sera à Noir de simplifier sans prendre de risques. Ok. Alors quand Noir s'approche ici, il y a deux coups possibles. Le premier, c'est de Tenuki. Laisser la forme comme ça, les trois pierres, parce que Noir n'a pas vraiment de continuation. Et l'autre, si on a l'escalier, c'est de faire attach et puis reculer. Comme ça, si Noir avance, c'est un peu la même forme qu'en bas à droite. Blanc peut protéger le coin avec 5 de manière assez sûre.
Donc c'est la manière de défendre le coin. Pour éviter ça, Noir il a un coup un peu spécial. Est-ce que quelqu'un connaît, au lieu de faire G17? Bis repetita pour le quiz, mais. C'est arrivé dans beaucoup de parties professionnelles aussi récemment. Même quand blanc n'a pas le chichot, ça se joue, ce qui est assez rigolo. G18, je l'ai vu, oui, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que là, blanc peut juste protéger. Comme ça, ouais. Il me semble que blanc peut juste protéger. C'est pas tout à fait ça. Ouais, non, c'est pas F18. La blanc peut juste couper et c'est difficile pour noir. Le coup, c'est F17. En fait, comme ça, si blanc protège, noir connecte. Et maintenant, blanc a deux faiblesses. Donc, il a la faiblesse en G16 et en C17. Tout simplement pour ça. Et c'est pour ça que ton coup, Sophie, me plaisait moins, parce que du coup, on a cet échange-là en plus, qui fait que ça protège légèrement C17 et blanc peut connecter. Maintenant, si noir entre, il est juste mort à l'intérieur. Sans cet échange, noir peut encore entrer ici. Donc ça laisse une mauvaise forme pour blanc. Et c'est pour cette raison qu'ici, blanc coupe en J17. Noir connecte et blanc prend un escalier s'il a l'escalier. Et ici, il l'a. Super. Ensuite, noir peut monter, bien sûr. Parce que si blanc protège, il casse tout. Et blanc protège en D17. Et puis une blanc capture. Donc ça, c'est une séquence relativement classique et bonne pour blanc. Parce qu'il a à la fois il protège le coin et il prend une pierre. Donc c'est une bonne manière de protéger ses pierres. Je l'ai vu sans escalier aussi, j'ai pas trop compris, mais à savoir. Hein, donc sur cette formation, si blanc a le chichot, il peut jouer H16. Ok, Tenuki est la deuxième option. Juste protéger, c'est un peu lent. Et on protège plutôt en E18. Si on protège ici, noir peut avoir ce coup-là qui est gênant, E17. Parce que plus tard, il peut profiter de cette pierre. Par exemple, comme ça. Il y a beaucoup de possibilités. Ok, donc avec ce coup, ça prend la base de vie. En plus, ça met la pression aux pierres noires, donc c'est pas mal. Noir protège en S17. Donc là, blanc veut en faire une longue partie, hein. C'est la stratégie. Et noir veut garder son avance, bien sûr. Ok, très bien. Donc jusque-là, rien à dire. Chacun s'occupe de ses petits groupes. Je vois pas d'erreur vraiment, vraiment grave. Et je vois pas de chance pour blanc non plus, malheureusement. Ouais. Enlever la base de vie de ce groupe et attendre, c'est peut-être la seule stratégie possible. Il n'y a plus moyen d'attaquer les autres avec les coups de renforcement de noir. C'est aussi possible de faire tellement peur à son adversaire qu'on récupère assez de points pour compenser la perte. Mais là, ça fait vraiment. En termes de territoire, on peut compter. Ah, je vais prendre mon stylo. Donc blanc, il a 13 ici. S'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire 6. À droite, il y a, on va dire 6 aussi. 6, 12 plutôt. 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va dire 12. Et en bas à gauche, c'est CNT, F1. Ah, c'est pas tellement parce que noir pourrait avoir B3, CNT. Faut jouer B3 assez vite. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points aussi. Et noir avec ce qu'il a capturé. Normalement, il doit rajouter les coups autour pour le capturer. Donc ça lui fait. Bon, ça fait 22. 22. En bas à droite. Ça fait 15. En haut, 6, 7, 8. On va dire 9. Bon, là, ça fait que 4 pour l'instant. Et ici, 6, 7, 8, 9, 10. On va dire une douzaine de points.
Donc, oh là, ça fait beaucoup d'additions tout ça. 28 plus 12, 30, 40. Donc, blanc a. Ah non, non, j'ai confondu. La blanc, il a 12, 6, 18. 31 plus 6, 37. Et noir, 37. Non, il a 37. Il a tous les points de blanc juste avec son bord sud. Donc il doit faire vivre ses groupes et gagner. Counting time. C'est moins sexy que ça en a l'air de compter, hein, mais c'est super important. Donc noir, il doit juste conserver ses groupes, mourir nulle part et il est en avance normalement. On va avancer un petit peu, mais est-ce que blanc va avoir une chance? Là, noir est vivant, il a deux yeux maintenant, un œil en Q13 et un œil en R15. Donc il va pas laisser de chance à blanc. C'est malin ça. Il se laisse enfermer puis il protège à la dernière minute, pourquoi pas. Hop, j'ai deux yeux. Alors là, vraiment, la stratégie de noir, c'est limiter la caisse. Blanc essaye, mais là, ça fait 3 libertés contre 3, donc c'est noir qui gagne. Non, 4 libertés, pardon. Là, il y a 4 libertés. 1, 2, 3, 4. Et blanc, on n'a que 3. On va avancer un peu, mais ça me l'air à désespérer. Après, je sais pas pourquoi il blitz, hein. Franchement, il y avait le temps. Ça fait même pas une heure que la partie a commencé. Ok. Non. Donc blanc a pas trouvé le moyen de tuer noir ici. On va passer à l'autre partie. Je pense que c'est gagné pour Manuel. Bravo à lui. On va regarder la partie de Denis contre Toru. Alors, dans cette partie, qu'est-ce qui se passe? Oula. E14 était trop lent pour répondre à ta question, Sati. Ça fait juste un point CNC pour blanc. Donc c'est plutôt le IEC qu'on joue ça. Donc attendez, j'essaie de comprendre la partie. Donc noir a des petits groupes partout. Pour l'instant, j'en compte une 6, 1. Il y en a 1. 2. 3, 4, 5, 6, et le septième il est mort. Hein. Donc déjà, juste en comptant les groupes, ça a l'air compliqué pour Denis. Donc les deux joueurs, si vous les connaissez pas, hein, c'est deux vieux de la vieille, si on peut dire. Denis, je pense qu'il a même été champion de France dans les années 80. Aujourd'hui, il joue avec un compte 9 Dan sur KGS. Bah, il dit qu'il utilise pour utiliser l'intelligence artificielle, donc il fait des recherches là-dessus, je pense. Et Toru, un joueur très fort aussi, qui est Dan. Je sais pas s'il a fait beaucoup de championnats de France, mais il donne du fil à retordre régulièrement aux joueurs habituels. Non, c'est Denis Feldman, oui, c'est ça. Denis qui a même écrit des livres, je pense. Je les connais pas bien, mais je crois qu'il a écrit des livres. Ok, donc on va regarder depuis le début. Ok. Ça c'est pas mal. Hein. Normalement, ici, dans l'approche moderne, blanc aime bien approcher en P17 tout de suite, pour éviter justement que noir prenne un Shimari. Ok. Noir s'installe, tout va bien. Alors, ça c'est un peu la troisième possibilité. Hein. Si blanc connecte, noir fait soit E18, soit C16. Et l'autre possibilité, c'est de descendre pour l'extérieur. Comme blanc a déjà une pierre en M17, il préfère sans doute ce résultat. Mais je crois que les deux sont jouables. Localement, c'est meilleur pour noir. Hein. Noir coupe, blanc recule pour éviter de se faire manger, double atari, et puis noir descend. Attention, noir capture pas. Hein. Sinon, blanc obtient ce coup-là gratuitement pour le coin. Donc c'est comme si il descendait, blanc joue B15 et noir capture. C'est bizarre comme ordre. Donc on descend en B16, et puis blanc remonte. Et alors, régulièrement,
Noir connecte directement. Je pense dans beaucoup de parties avec l'IA, Noir connecte directement. Comme ça, si Blanc monte, Noir peut attaquer les trois pierres ici. Ouais, donc c'est pas facile pour Blanc. Mais ici, Blanc, il a un coup un peu spécial. Pour protéger, sans protéger, je sais pas comment dire. À votre avis, qu'est-ce qu'il joue Blanc d'habitude ici en haut à gauche? Pour créer le combat? Yes, H16, bien joué. H16, comme ça. Si Noir répond là. Maintenant, Blanc peut couper. Et Noir, enfin, se fait un angle vide, quoi. Gratuit. Je crois qu'il fait même Atari connexion. Donc, c'est pour déformer Noir. Si jamais il joue le même coup en E14. Et on voit aussi que c'est l'attaque de l'œil d'éléphant. Hein. On veut déformer Noir ici, avec ces deux pierres. Ah, les chiffres et les signes, ça ne superpose pas bien sur EGS. Intéressant. Donc, quel est le coup de Noir pour éviter ça, à votre avis, pour prendre une bonne forme? En réponse à H16. Parce que si on joue. Oui, non, en fait, oui, quel est le bon coup de forme ici pour Noir? Pas d'idée? Le bon coup, c'est F14. Ouais, bien joué. Et ensuite, Blanc joue E14. Noir prend la forme du nid de poule. Blanc protège. Et puis Noir peut décider soit de jouer ici, soit de monter. Les deux sont possibles. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas perdre ses pierres et de séparer Blanc. Donc, dans la partie, qu'est-ce qu'a fait Noir? Blanc a joué une autre direction, F14, hein, ce qui est possible. Donc Noir pousse, bien sûr, poussé, année. Et là, Noir a fait une erreur terrible, je pense. J15. Et Blanc a puni aussitôt. Donc il a coupé. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour Noir de sauver toutes ces pierres-là. Donc ça, c'est vraiment un coup H15 qui est très joli. Parce qu'en fait, même si Blanc a beaucoup de coupes ailleurs, Noir peut rien faire. S'il pousse, Blanc sort, poussé, protégé. Et même s'il fait tous les Atari du monde et qu'il prend la pierre, là, Blanc, il peut tuer juste en jouant E15. Et c'est un snapback. On le capture. Donc il n'y a aucun moyen pour Noir de sauver ses pierres. Donc en fait, ici, Noir, il devait juste sauter. Même ici plutôt, comme ça. Et puis sortir simplement ces pierres. Donc là, très grave erreur dès le début. C'est deux parties où les groupes meurent rapidement au début. Hein, donc ils avaient vraiment le temps, c'est un peu dommage. Et on peut le lire. Et dans la partie, donc Noir essaie d'utiliser les coupes, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'il est juste mort. Et il n'a pas l'escalier ici. Hein. S'il essaie l'escalier, il se met lui-même en Atari. Donc probablement pour sacrifier à ce moment-là. Quand Blanc descend, il fallait que Noir sorte en L15. Parce que maintenant, ça a joué avec l'escalier. Hein. Maintenant, l'escalier marche. Grâce à la pierre en plus. Donc, Blanc doit répondre en tuant les pierres. Et Noir peut utiliser le manque de liberté en haut, par exemple, comme ça. Pour au moins sauver quelque chose. Sauver les meubles, on va dire. Et la partie est encore jouable à ce moment-là, je pense. Parce que Noir fait un peu d'influence, il garde un petit peu son coin. Donc probablement que le coup ici c'était L15. Bien joué à Toru, hein. C'était un joli coup. C'est le genre de coup qu'on peut zapper parce que c'est ce que Insong appelle les coups à la Hulk. Donc la force brute, quoi. On coupe, ça marche. Mais c'est vraiment limite. Ok. Donc là, Noir est bien en retard parce que. Le premier jeu d'équipe tourne à la catastrophe et j'ai l'impression qu'il essaye de compliquer la partie du coup. Donc ce coup, il menace de sauver les pierres. Si Blanc répond pas, Noir peut faire Atari, Atari et lancer l'escalier. Comme ça.
Donc c'était un peu téléphoné, j'ai envie de dire. En général, quand il y a de la J comme ça, il vaut mieux laisser toute la partie, et si blanc rajoute un coup, il perd un coup. À J16, il fallait juste sauter en G14, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure. Il fallait pas faire année, mais juste sauter. Donc ici, c'est un peu un coup du médecin. Donc je joue, je te soigne, mais je sais pas trop à quoi va servir G11. Donc autant ne pas jouer, et si blanc rajoute un coup plus tard, on préfère avoir une pierre ici. Ou une pierre plus active sur le plateau. Et trop. C'est un peu grossier, j'ai envie de dire, de dire comme ça. Vas-y, défends-toi, sinon il se passe un truc. Bon, après, moi je joue comme on veut. Hein. Waouh, B4. Donc là, c'est ce qu'il ne faut pas faire hein, quand on est en retard. Il faut pas jouer, paniquer et commencer à jouer des coups d'arnaque parce que ça peut juste. C'est la spirale infernale de la loose, quoi. On va juste perdre encore et encore et encore. Donc il faut juste attendre, je pense, et en faire une longue partie. Attendre l'erreur de son adversaire. Là, c'est un peu too much. Donc là, Noir, il vise soit devenir en D3, soit en B6. Ce qui est possible, mais je suis pas sûr que ce soit ce soit si intéressant. Comment est-ce que Blanc peut répondre? Juste ici, il protège. Si Noir protège, on peut même couper comme ça. Donc. Ok, ça marche aussi. Blanc, Noir peut plus relier. Parce que ici, Blanc capture. Ok, donc très bon coup aussi, C5, je l'avais pas vu. Ok, donc Noir vit en dessous, mais Blanc fait un groupe fort, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'autre alternative pour Blanc? Est-ce qu'il faut couper de toute façon, c'est l'idée? On commençait par là plutôt, comme ça, comme ça. Plutôt que de laisser à Noir faire. Noir a changé de direction, donc c'est pas mal finalement la forme, ok. Mais plus tard, Blanc peut relier. Hein. Il peut toujours relier avec B9, donc son groupe est vraiment pas très faible. Il y a un genre de coup, mais bon, il me laisse le coin aussi. Ouais, bon, ça semble une partie compliquée quand même. Ok, Noir s'étend. Donc là, Blanc joue bien la théorie. Quand on a un groupe faible, on joue depuis son groupe faible. Noir est faible aussi en A par rapport au groupe faible B. Donc le premier qui joue dans cette zone est avantagé. Si Blanc décide de jouer ailleurs, dans ce cas, Noir sera très content de l'attaquer et de protéger son propre groupe. C'est un peu le mot compte double du Go, hein. Quand il y a deux groupes faibles, le premier qui joue dans la zone, il double le score. Il prend ce que l'autre aurait dû et il prend son extension à lui. Ok. Waouh. Noir sort. C'est un peu bizarre ça. Parce que bien sûr, blanc va couper. Ça fait des formes déchirées. Bon, là, blanc, il doit pas trop réfléchir, malheureusement. Pour noir, malheureusement pour noir. Ouais. Non, autant jouer tout de suite ici, non? Comme ça, comme ça. Je pense que ça suffit. Ok, donc blanc veut vraiment simplifier la partie en sauvant son groupe faible. Aïe aïe, j'espère que vous entendez que vous avez mal aux yeux là, parce que. Moi ça me fait mal en tout cas, ça me fait mal aux yeux. C'est comme le bruit de la craie sur le tableau. Tu sais, vous savez, la craie qui grince, qui est horrible à écouter. J'ai exactement. Ou alors, un virage serré et t'as les pneus qui crissent. C'est exactement ça. C'est blanc qui traverse entièrement noir. Donc t'as des traverses Toby, des traverses Kemah, t'as tout ce que tu veux et noir a des pierres faibles autour. Donc c'est évidemment ce qu'il faut pas faire. Hein. Par exemple, ici, c'est un crosscut, il faut juste s'étendre. Blanc s'étend et noir sort et on pousse pas dans les pierres, quoi. C'est pas possible. Donc à éviter. Je comprends pas trop la stratégie.
Peut-être que Noir est désespéré, c'est possible aussi qu'il ne joue plus sérieusement. Maintenant, les deux pierres ici sont pratiquement gaspillées. La partie devient encore plus dure pour Noir en fait. Parce que Blanc contrôle le centre et il a plus de points, donc c'est difficile. Oh, il veut vraiment simplifier, il dit vas-y, je te donne le coin, je prends le bord et tout va bien, je suis en avance. Donc ça c'est un vieux joseki, la pince. Après quand blanc coupe, normalement noir fait Atari ici, Atari là et connecte, puis blanc recule. Donc comme il a déjà une pierre en place, est-ce qu'il pourrait. Il peut couvrir comme ça. Quelque chose comme ça. Donc ça c'est l'objectif de Noir. Et S4 je connaissais pas. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Si blanc vient simplement là, noir peut venir là. Tsuji. Parce que s'il fait quoi que ce soit d'autre, blanc va capturer la pierre, hein, comme ça. Donc il joue ici, et si blanc descend, il peut avoir ce coup-là, Sente. Et puis sortir. Et blanc est mort localement. C'est assez compliqué, ouais. Après, blanc peut juste simplifier avec ce genre de coup, hein. Comme ça, si noir prend la pierre, il la donne simplement ici. Si noir avance, blanc peut faire année. J'ai pas l'impression qu'il puisse résister beaucoup plus. Connexion. Ouais, quelque chose comme ça, c'est possible. Donc juste monter en P4, ça suffit ici. Et si noir descend, blanc peut venir ici gratuitement et puis sortir. Donc faut pas chercher la complication. C'est ce que noir veut quand il joue ce coup. Si blanc résiste, il a S2. Dans la partie Atari reculé, oui, c'est possible aussi. Non, R8 est toute seule, il fallait plutôt sauver R8 comme ça. Trop important. Bon, je pense pas que Noir ait amélioré sa position depuis tout à l'heure. C'est plutôt Blanc qui s'est renforcé au centre. Et toutes les pierres ici ont fait des damés, donc je vois de moins en moins d'espoir. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? On peut pas vraiment connecter ici par en dessous ces pierres à cause de ce coup S3. Après, blanc peut wedge en S5 et noir peut plus vraiment résister. Donc S6 marche pas vraiment. Peut-être que le plan de noir c'est justement d'ignorer. Et dans ce cas, blanc peut venir ici et noir prend les pierres. Mais c'est quand même un bon résultat. Après, noir sauve R8, c'est vrai. Ouais, ça doit être le plan. Noir capture et blanc. Donc blanc tue les pierres quand même. Et ça peut se compliquer là. Non, en fait, c'est pas possible. Blanc est trop fort au centre. Quoi que noir tente, blanc a déjà trop de force. Donc j'ai pas. Je vois pas vraiment comment ça peut se passer. En plus, blanc sépare en L3. Donc ouais. Aïe aïe. De nouveau, la créée ici. Ah, L2. Paf. Paf, paf. Yeah. Ah, ça fait mal. Autant jouer comme ça et essayer de vivre à gauche, même si je crois qu'il y a peu d'espoir, mais ça fait mal. Ok, donc si noir joue les points, c'est fini. Hein. Surtout que blanc prend ce qu'il veut. Je sais pas s'il a abandonné ou pas. Quel est l'état des parties? Sur la révision, j'ai pas ça. Attendez, je vais regarder. Hop.
Donc, Manuel a gagné contre Dominique. Et ici, je pense qu'il a dû à un moment donné. Hein. Ouais, donc ici, Denis abandonne. Ok, donc c'était deux parties qui étaient, à mon avis, déjà. Ouais, qui déjà au début sont jouées. Les deux joueurs ont pris de l'avance dès le début et ont réussi à conserver cette avance, donc bravo à eux. On va peut-être passer sur une troisième partie, du coup, celle de Denis. Je vais faire la révision. Donc Denis carré à Daban. Est-ce qu'il y a eu des morts aussi? Non, ça semble plus correct déjà. Je vais donner le lien à Camille pour qu'elle me le mette. Si tu peux, merci. Ok, pas de souci. Ah. Ouais, dans cette partie, Noir a fait trop de formes déchirées. Donc ça, c'est vraiment important, Hugo. Éviter de faire des formes déchirées à tout prix. Par exemple, ici au centre. Vraiment. Là, Blanc a juste coupé tout et ça a suffi pour gagner la partie. Faire attention, même quand on est en retard, ne pas jouer aussi désespéré. Bon, a priori, il y a quand même pas mal de joueurs dans ce tournoi. Hein. Il y a plus d'une centaine de joueurs. Alors pour la révision, je vais donner le lien, mais de toute façon, on va le faire afficher en stream. Hein. Ça, je peux fermer. Donc je disais, il y a quand même plus d'une centaine de joueurs. Il y a combien de tables de tirage? 50 tables de tirage, 100 joueurs tout pile. Un très beau tournoi pour Grenoble en ligne. Il y a pas mal d'étrangers aussi, hein, des Tchèques, des Anglais. C'est chouette. Ah, ok, voilà. Merci, Camille. Donc la partie, comment ça se passe entre Denis et François? Donc Denis, je rappelle, champion de France. François, je sais pas s'il a été, à mon avis, ça m'étonnerait pas parce que c'est aussi un joueur, un très vieux joueur qui a atteint le niveau Kadan il y a longtemps. 5 Dan peut-être, je sais plus. Donc en termes de points, où est-ce qu'on en est? Donc ça fait 8. Pas avec ça que je vais utiliser. 8. Ah, oh, si je les tiens, ça peut faire les numéros. Hein. Trop bien. Du coup, on peut jouer à 10 mineurs sur le Goban. Je savais pas. Non, je découvre des fonctionnalités chaque jour de ce site. Donc ici, il a 8 points. À gauche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. En bas, pas clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire 15 points. Et ici au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5. On peut dire 11. Ouais, 11 points. Et noir, ça lui fait combien? Ça a l'air d'être plus quand même, hein. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 50 points à peu près. On va dire 52. En haut à gauche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, hop. Et au centre, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, j'ai mal compté, attendez. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32 à peu près. Donc ça veut dire combien ça? 84, 89 pour noir. Oh là, c'est déjà un gros chiffre. 37, 47, 48, 56 pour blanc. Donc blanc est en retard de 20 points. Ah oui, quand même. C'est dur pour
Pour François. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans cette partie. Alors, ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait cette espèce de joseki à gauche. Normalement, ici, blanc, il protège en G4 et noir prend. Ça, c'est la théorie. Dans la partie, blanc résiste. Ok. Et donc noir peut sortir en F3. Et la séquence, normalement, c'est blanc attache. Et ici, noir a un T-Suji. Parce que le problème, s'il fait G2, c'est que blanc cross-cut. Et donc, il capture la pierre de coupe. Donc, quel est le T-Suji de noir ici quand blanc joue G3 pour s'en sortir? Que quelqu'un connaît? Yes, angle vide. Très bien. Maintenant, blanc doit descendre pour éviter le hané à la tête de deux pierres. S'il fait autre chose, il va mourir dans le coin. Donc, ils doivent descendre, puis blanc, noir pousse. Pousse jusqu'au bout du monde. Comme ça. Et ici, blanc ne peut plus, au bout de la quatrième fois, reculer en L3, sinon noir tue le coin. Et donc, c'est catastrophe, le coin entier meurt. Donc, blanc doit protéger à gauche, et noir peut remonter. Ce qui fait qu'en fait, les pierres blanches du centre sont très faibles. Ça, c'est vraiment un joseki qui est sorti avec l'AI, je ne connaissais pas du tout avant, qui nous montre comment résister avec cette forme d'angle vide bizarre. Et dans la partie, noir joue G5 que je ne connaissais pas. Blanc ne peut pas couper, sinon c'est le chichot et c'est la mort. Donc dans la partie, blanc choisit de descendre en G2 et noir peut capturer les pierres. Qui m'a l'air ok hein, parce que capturer les pierres de coupe c'est jamais un mauvais résultat même si la forme est un peu bizarre. Du coup qu'est-ce qu'on peut faire quand noir joue ici? Est-ce qu'on peut pas résister en G6? C'est ce qui me viendrait d'abord à l'esprit. Noir sort. Blanc coupe et puis blanc peut sacrifier pardon, comme ça. C'est pas possible ça. De jouer comme ça. Parce que le coin est mort. Ouais, le coin est mort ici, donc c'est pas possible. Ah. Et donc, là ensuite, jouer dans le coin. Du coup, les pierres du centre ne sont pas capturables, il me semble. Possible, sans doute. Et si blanc recule. C'est pas une meilleure forme ça hein, si on rejoue la même séquence parce que H3 est plutôt bien placé par rapport à G2 dans la partie on est en on retrouve avec résultat donc on préfère clairement avoir cette pierre-ci on préfère l'avoir ici en H3 À mon avis ça doit être la différence donc est-ce que blanc pouvait reculer? Est-ce que noir peut résister là? Je pense pas que ce soit possible. Ou alors on revient un peu à la même chose, non? Comme ça. Ouais, ça revient à la même chose. Sauf qu'il y a le mauvais échange en plus ici. Donc noir, c'est comme si noir avait coupé tout de suite en B. Donc probablement que c'est meilleur. Du coup, peut-être reculer en H3, c'est la réponse. Je vois pas trop ce que noir fait. Non, il n'y a pas de meilleure réponse. Ici, H3 était le coup, plutôt que descendre, parce que la pierre est mal placée. Ouais. Et ça doit être jouable, à mon avis, H3, parce que je ne connaissais pas ce coup pour noir. Parce que là, elle est en G2, c'est un peu plus bas, malheureusement. Ok, donc intéressant déjà, une variante du premier joseki que je ne connaissais pas. Pourquoi pas? L3, c'est un petit peu lent, clairement, parce que noir peut encore écraser les pierres et. Et ça fait pas beaucoup de points ce bord finalement. Donc faut monter plus haut. Même ici peut-être. Est-ce que noir avait peur d'une entrée? Non, je pense pas, c'est trop solide. Et encore, on préfère la petite approche en général. Comme ça et un truc comme ça. Plus rapide. Là, vraiment, blanc est trop bas, donc il se destine à faire peu de points avec beaucoup de pierres. C'est l'idée. Là, c'est déjà pas facile.
Même Tenuki, ça me paraît meilleur ici. En effet, ça c'est un gros coup. Par exemple, tourner ou prendre le Shimari. Parce que si noir entre, finalement, est-ce que c'est grave? Blanc saute et en sortant, il érode un petit peu l'influence noire, donc possible, hein. L3, c'est trop lent. Waouh! Normalement, blanc doit répondre, mais il avait sans doute peur que noir puisse sortir et attaquer son groupe à gauche. Donc c'est pour ça qu'il joue pas là, il préfère prendre C14, qui est un vieux joseki actuellement. Ouais. Donc si noir fait juste année, blanc connecte, et il n'est pas vivant. Par contre, il a un autre coup ici pour résister. Est-ce que quelqu'un le connaît? C'était un des joseki préférés d'un joueur mythique de KGS. Too High. Je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, mais il me faisait tout le temps ça quand je jouais en Blitz contre lui. Je crois qu'il mettait 60 périodes de 10 secondes parce qu'il avait des problèmes de lag. Il avait une image de chat sur son sur son truc. Donc ça m'a un peu traumatisé, Joseki, mais il est assez rigolo. Donc comment est-ce qu'ici Noir peut résister, à votre avis? Ah, Noir a gagné de 23 points finalement. Ouais, donc il était bien l'avance. Donc ici, Noir, il peut faire E17. Et c'est probablement le plan de Blanc, hein. Blanc résiste en E18, Atari, sortir, et Blanc peut couper. Un truc horrible comme ça. Il n'est même pas obligé de pousser une autre fois, il peut revenir ici. Donc c'est l'enfer, d'autant qu'il y a déjà ces pierres en place. Il y a toutes ces pierres-là qui sont en place. Donc ça, c'est le plan de Blanc, à mon avis. Tomber dans ce joseki, Noir est coupé en deux. Donc, je suppose que Noir l'a évité. Ok. Ouais, donc il joue simplement, il sort. C'est déjà un bon échange pour Noir quand il prend C17 en général. La position est considérée comme inférieure pour Blanc. Ok, bien joué. Peut-être que ici, il faut juste connecter pour éviter l'échange et laisser la faiblesse en E17. Parce que si Blanc joue là, Noir va pas juste connecter ici. Il va prendre plus d'ampleur, donc probablement que là, il valait mieux juste connecter. Blanc est obligé de protéger à gauche. S'il joue ailleurs, Noir peut couper comme ça et descendre. Pardon, descendre ici. Ah. Et donc Blanc est mort, hein. Localement, les trois pierres blanches sont mortes ici. Il suffit de retirer les libertés. Et c'est mort. Donc c'est pour ça que Blanc rajoute un coup à gauche. C'est quand même embêtant parce que Noir a relié ses pierres pratiquement ensemble. Ah, il prend le coup, hein, d'accord. Est-ce qu'il valait mieux pas résister comme ça? Parce que maintenant ça marche plus vraiment de couper comme tout à l'heure. Blanc, il a une. Est-ce qu'il a une résistance d'ailleurs? Non, c'est pas sûr en fait, parce que ici Noir il peut jouer là, et puis tourner, et Blanc est quand même mort. Donc B18 ne protège pas. Donc il est obligé de rajouter son petit coup, et Noir peut prendre B18, malheureusement. C'est l'idée. Et Noir rajoute encore un coup, ok. Donc c'est vraiment. Je pense qu'il s'estime en avance quand il joue D18. C'est vraiment solide. Normal. Ah. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, hein. Blanc est trop bas sur le sud. Et c'est bizarre que personne prenne R17. Moi, je l'aurais pris direct. C'est quand même un coin, hein, les gars. Même si c'est une mauvaise forme pour Blanc en haut, c'est pas mal pour Noir. Hein. Ah, c'est pas mal de prendre le coin. Et après, c'est du carton-pâte, le centre, on peut entrer. Ok, donc la stratégie là, c'est territoire de troisième ligne en bas en haut et Noir relie toutes ses pierres ensemble. Pourquoi pas? Ouais, c'est exactement ça, pick-up. C'est Blanc, il est en troisième ligne partout. Donc c'est ça va pas faire assez de points finalement cette histoire. En plus, Noir joue agressivement pour le centre. Ce coup-là, il est assez agressif. Et en effet, Blanc peut pas couper.
Donc c'est pas mal joué. Par contre, il faut pas sacrifier la pierre, il faut jouer là tout de suite. Comme ça, si noir recule. Après, on va pas faire cet échange 3 pour 4. On va juste jouer directement, par exemple, là, ou envisager d'autres choses, mais faut pas faire cet échange. C'est une mauvaise habitude, sans doute. Il pensait peut-être que noir allait reculer et qu'il allait connecter, mais c'est dans ses rêves. Salut Denis. Ah. Qu'est-ce qui se passe? La partie est finie, hein. Ici, on aura déjà gagné de 23 points. Donc même si... Qu'est-ce que Blanc a obtenu? Un Blanc a vécu au centre? Ouais, même si Blanc vit au centre, c'est pas suffisant. Noir a trop d'avance. Hein, c'est un problème... Déjà, Delfuseki prend du retard et... Tant que Noir obtient des compensations, hein, ici, même si Blanc vit au centre, la compensation, c'est de détruire le bord Nord. Ça suffit. Donc là, le plan de Blanc était un peu chelou. Ah. Probablement qu'il faut pas juste pas atari, en fait. On s'étend et on attend. Comme ça. Un truc comme ça peut être pas mal pour essayer de détruire le centre en vivant, mais si on lâche du lest, alors on n'aura jamais assez de points ici avec Blanc. Ouais. R17, c'est gros. Donc il n'y a pas eu de chance pour Blanc de revenir. Hein. Ça fait beaucoup trop de points. Ok, donc finalement cette partie, ça s'est vraiment joué sur le centre hein, et sur le Fuseki. Au Fuseki, Blanc prend pas assez. Le L3 est un petit peu lent. En haut à gauche, la séquence est pas mal pour Noir aussi parce qu'il prend le coin finalement. Donc c'est pas mal pour lui. Et Denis a bien géré le centre. Donc le centre, quand on le gère, c'est pas forcément pour faire des points. C'est plutôt. Il faut le considérer comme une zone de potentiel. Donc si notre potentiel du centre, finalement, ça revient à couper un bord au-dessus, ben, on l'a quand même réalisé. Faut être assez flexible là-dessus, donc bien joué à Denis. J'ai pas vu de chance pour Blanc. Ouais, probablement que ici il fallait juste attendre. Moi j'aurais pris le coin et attendre voir ce que Noir fait. Si on joue la même chose, comme ça, on attend et puis on voit. Ah, il fait ça, et après on peut envahir, peu importe où et regarder ce qui se passe. Mais Blanc est déjà en retard, bien sûr, au niveau de la partie, c'est difficile. Il a perdu du temps. Donc, pas facile. Et alors, il n'y a pas eu de surprise, je pense, avant la fin. Hop. Pas vu de surprise dans la partie. Ils ont joué liosé normalement, hein, c'est l'idée. Et il n'y a pas eu de chance pour Blanc. Ouais, le liosé pour Noir était même un peu favorable. Parce qu'il a eu O1. Donc la forme en bas à droite, c'est plutôt une bonne forme pour Noir pour le liosé. Hein. Si Blanc veut rajouter un coup, il va plutôt faire ça. Simplement. Pour être sûr d'avoir Q1 par la suite. Et si Noir veut jouer liosé là-bas, il va faire justement l'inverse. Donc il va faire P2 et ça pour être santé. Donc finalement, c'est Noir qui l'a eu. Alors, je suis pas un spécialiste du liosé, loin de là, mais c'est ce que je pense. Ok, donc 23 points, c'est assez énorme. Bien joué à toi, Denis. On va arrêter là, puis on se retrouvera à 14h pour la suite des parties. Donc c'était assez intéressant. Il y avait après, c'est la première ronde, donc souvent les niveaux sont déséquilibrés. Comme il y a une grande différence dans le top group, j'ai l'impression, ça va vraiment de 1 Q à 5 Dan. Donc, bah, après, c'est intéressant de voir aussi où sont les erreurs des joueurs. Comment l'adversaire a puni, surtout comment ils ont enterré la partie après avoir tué un groupe dès le début. C'est pas mal, moi j'aime bien voir ça parce que ça a aussi un skill en fait. Je crois qu'il y a Mathieu Delisotti qui donne un cours là-dessus d'ailleurs sur le calendrier de l'FFG. Il donne un cours sur comment gagner une partie gagnée. Ce qui est un peu bizarre à dire, mais les joueurs de Go comprendront après moult drames et retournements de partie.
Merci à tous.